Salut les parieurs intelligents, c'est Laurent du site abcparisportif.com. Nouvelle vidéo pour vous parler des bookmakers.fr et .com. Alors vous le savez, dans les paris sportifs, il y a beaucoup d'outils et de sites à connaître et donc de bookmakers. Ils sont catégorisés en deux parties, on parle de bookmakers.fr et de bookmakers.com. Alors les bookmakers.fr, je vais tout de suite aller sur le site de l'ARGEL. L'ARGEL, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne. Donc le site, c'est argel.fr. Alors l'ARGEL a été créé le 12 mai 2010. Donc il y a une loi qui est passée, qui a amené à la création de cette autorité de régulation. Et en fait, c'est le gendarme des bookmakers.fr. Alors sur le site, on peut voir la liste des opérateurs agréés. On les a ici. Donc l'ARGEL gère plusieurs choses. Hein. Gère les paris sportifs, gère le poker et un certain nombre de choses. Et donc aujourd'hui, il y a 13 opérateurs agréés. Donc bwin.fr, betclic.fr et plein d'autres. Alors le problème de l'ARGEL, ou plutôt des bookmakers.fr, c'est le taux de retour joueur. En France, les bookmakers ont l'obligation de prélever une taxe qui s'élève en moyenne sur l'année à 15%, c'est-à-dire que seulement 95% des sommes misées seront reversées aux joueurs. Donc cela ne veut pas dire que tous les paris sportifs ou chaque événement sur un match a un taux de retour joueur à 85%. Non, ce n'est pas vrai. Sur des marchés de masse, on peut avoir des taux de retour joueur de 95%, mais sur d'autres marchés ou d'autres compétitions, on peut avoir des taux de retour joueur inférieurs à 70, 75, 80%. Mais en moyenne, on est à 85%. Alors 85%, c'est très très faible. C'est ce qui fait que les bookmakers.fr sont difficiles à... Enfin, il est difficile de gagner de l'argent sur les bookmakers.fr parce que c'est tellement taxé que c'est pratiquement impossible d'être parieur professionnel sur les bookmakers.fr. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est les bookmakers.com. Alors les bookmakers.com, il suffit d'utiliser un comparateur de cotes. Donc là, je me suis positionné sur un match Lille-Lyon qui va avoir lieu ce week-end. Bookmakers.com, on a une liste, alors qui n'est pas exhaustive, hein, mais qui est présente donc sur ce site-là, Odds Sport Portal. On a un certain nombre de bookmakers.com. Comme dans les paris et comme dans les bookmakers.fr, il y a un certain nombre de bookmakers. Là, il y en a beaucoup plus que 13. Une difficulté, comme sur le marché.fr, c'est que les bookmakers peuvent être souvent limités. Ils peuvent limiter les mises, ils peuvent limiter les joueurs gagnants. Donc, c'est pas idéal. Par contre, une spécificité sur le marché.com, c'est qu'il y a certains bookmakers qui sont reconnus par les parieurs professionnels et les parieurs confirmés comme des bookmakers qui ne bloquent pas les joueurs gagnants. C'est notamment le cas de Pinnacle, Asian Odds, Sbobet et quelques autres. Donc ça, c'est important. Alors, quelle est la principale différence du marché.com c'est déjà qu'il y a certains bookmakers qui ne verrouillent pas, mais surtout, et globalement, c'est que les cotes sont bien plus intéressantes. On le voit ici via le payout, c'est la même chose que le TRJ ou taux de retour joueur. On est, vous le voyez, non pas à 85% en moyenne, non pas à 90%, non pas à 95%, mais on est sur des taux de retour joueur très importants. Si je trie sur la colonne payout, on voit que des sites comme Pinnacle, hein, qui ne bloquent pas les parieurs professionnels, à un taux de retour joueur sur ce match-là à 97,5%, ce qui est énorme. Donc il n'y a que 2,5% de taxes. Donc ça, c'est un premier point. Et donc c'est pour cela que les parieurs professionnels, français et étrangers, parient sur des sites comme Pinnacle, parce que ce taux de retour joueur est énorme et très important. Voilà. Donc il faut toujours nuancer un petit peu cette comparaison, donc .com, .fr, parce que là, je ne sais pas si on peut le voir ici,
Donc là, il y a les premiers bookmakers, on ne peut pas y accéder à partir à partir du moment où on vit en France. On voit Pinnacle, on voit Asianos, il y en a d'autres que je ne connais pas, hein, mais à ma connaissance, on ne peut pas y accéder. Et on voit quand même unibet.fr, par exemple, ici. Tout ça pour vous dire que c'est jamais noir ou blanc, c'est souvent gris dans les paris sportifs. C'est-à-dire que certes, de manière globale, les bookmakers.com proposent de meilleures cotes, mais de temps en temps, les bookmakers.fr peuvent avoir de meilleures cotes. Donc là, on voit que unibet.fr est quand même relativement bien placé dans les cotes. Des fois, il y a des bookmakers.fr qui ont de meilleures cotes par rapport au bookmaker.com. Cela me permet de vous rappeler que l'objectif du parieur, il n'est pas d'ouvrir un compte sur un ou deux bookmakers. L'objectif du parieur, c'est d'être un chasseur de cotes, d'utiliser des comparateurs de cotes et de prendre la meilleure cote, qu'elle soit sur le marché.com ou .fr. Donc ça, c'est un objectif essentiel. Alors vis-à-vis des bookmakers.com, juste une petite information. Donc il y a des bookmakers britanniques. Je crois que Pinnacle, c'est un bookmaker britannique. Un XBet, alors moi je ne le recommande pas parce que je me suis fait limiter mes mises là-dessus sans comprendre pourquoi. Mais c'est un bookmaker voilà, russe. Et il y a des bookmakers asiatiques tels que en lien avec Asian Odds, je ne sais plus, je crois que Zbobet est asiatique également. Je l'ai perdu, Zbobet, il est là. Alors Zbobet, c'est assez intéressant parce que souvent, il a des cotes très basses, mais dans un certain nombre de paris, il va avoir des cotes meilleures que Pinnacle. Donc voilà un petit peu l'explication de la différence entre le marché.com.fr, mais pour synthétiser cela, les avantages des bookmakers.fr, je vais revenir sur ma liste des opérateurs agréés. J'en vois trois globalement. Le premier, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est le fait que on peut avoir un certain nombre de bonus en s'inscrivant sur les bookmakers.fr. Et en s'inscrivant sur les 13 bookmakers.fr avec une petite stratégie logique, on peut arriver à avoir 300 à 400 euros de bénéfices sur les bookmakers.fr. Donc là, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Je peux apporter et vous apporter quelques éléments là-dessus. Mais il y a une stratégie à adopter quand on commence dans les paris sportifs, parce que souvent, on commence par le marché.fr et on peut tout de suite, avec les bonus, arriver à gagner un petit peu d'argent et donc à faire gonfler son capital et donc ses mises. Donc ça, c'est un premier point important. Donc il y a les bonus. Le deuxième point important, à mon sens, c'est que l'inscription est relativement simple. Alors certes, c'est un peu contraignant parce qu'il faut la carte d'identité, après ils envoient un courrier, il faut valider l'inscription, etc., etc. Bon, quand on fait les 13 bookmakers assez rapidement sur un mois, bah voilà, on est habitué, on a les pièces jointes, on fournit le RIB, etc. Donc ça se fait assez rapidement. C'est un petit peu plus compliqué sur les bookmakers.com, alors surtout sur ceux qui acceptent les joueurs français. Alors normalement, les bookmakers.com ne doivent pas accepter les joueurs français, mais certains les acceptent, donc c'est eux qui sont en faute, voilà. Et pour y accéder, généralement, il n'y a pas un accès direct, on passe par des brokers. Donc là aussi, je reparlerai dans une prochaine vidéo, c'est assez particulier, donc l'inscription est un petit peu plus compliquée, mais largement accessible à tout parieur. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations et les bons liens et les bons sites. Voilà. Le troisième avantage des bookmakers.fr et le dernier là que j'ai noté, alors, je ne vais pas vous parler de tous les avantages, mais je vous dis les principaux. Donc bonus, l'inscription est relativement simple sur les bookmakers.fr. Et le troisième, c'est les cotes des paris long terme. Alors très souvent, et ça vous pouvez le constater assez rapidement, les bookmakers.com ne proposent pas tous des paris long terme. Et s'ils en proposent, la cote n'est pas souvent intéressante. Par contre, sur le marché.fr, on a souvent des cotes qui sont très proches des bookmakers.com, voire même supérieures. Les paris long terme sont proposés sur pratiquement les 13 opérateurs agréés Argel. Donc ça, c'est intéressant. Et moi, c'est une stratégie que je fais, hein. Je ne fais pas la seule. Mais les paris long terme, ça m'intéresse. Et on constate souvent, je le constate, moi, pas quotidiennement, parce que j'en fais pas tous les jours, mais sur à peu près la centaine de paris long terme que je vais faire sur une année, je constate que les cotes sont plus intéressantes la plupart du temps sur
lesbookmakers.fr. Donc ça, c'est le troisième avantage. Concernant lesbookmakers.com, donc je l'ai dit un petit peu, le premier point, c'est que la plupart du temps, les cotes sur des matchs lambda comme Lille-Lyon sont plus intéressantes. Donc là, c'est un exemple, hein, mais Pinacle, on est à 2,83 pour la victoire de Lille. Le premier site.fr est à 2,80, et puis après, bah, alors tous les bookmakers.fr sont pas affichés dans le classement odd portal, mais généralement les bookmakers.fr sont inférieurs. Ça ne veut pas dire tout le temps, c'est pour ça qu'il faut ouvrir un compte chez tous les bookmakers, mais la plupart du temps sur des matchs lambda en Ligue des Champions, côté NBA ou autre, les cotes sont plus importantes sur le marché. Et les bookmakers.com. Le deuxième point important et essentiel, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais c'est le deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas de limitation de cote sur les principaux bookmakers. Je pense notamment à Pinnacle, Sbobet, Asian Odds et quelques autres. Donc ça, c'est très intéressant pour les parieurs qui veulent se professionnaliser, qui veulent investir sur le long terme, parce qu'on n'est pas limité. Et ça, c'est indispensable. Voilà donc un petit peu pour cette comparaison bookmaker.fr, bookmaker.com. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je termine toujours par deux petites choses. Le premier, c'est que vous pouvez accéder au site abcparisportif.com et télécharger mon lexique de plus de 200 termes dans les paris sportifs. C'est essentiel de bien comprendre l'activité des paris sportifs et de bien comprendre tous les termes. C'est vraiment très spécifique et je vous invite à aller lire ce lexique gratuit. Et le deuxième point, je termine toujours par une petite citation inspirante, enfin j'espère inspirante pour vous, mais qui sont souvent pour moi très inspirante. Voilà, c'est une citation de Chris Guilbeault qui est « Il y a un gouffre beaucoup plus important entre la connaissance et l'action qu'entre l'ignorance et le savoir ». Voilà, je vous laisse réfléchir à cette citation et je vous dis à bientôt. Salut !